La piraterie maritime touche de plus en plus les pays membres du Golfe de Guinée. Devant cette réalité, la sécurisation des espaces maritimes dans cette zone doit être un élément important pour les dirigeants du continent. Car 66% du commerce international maritime s'effectue par voie maritime. Et c'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale est venu porter le message du président Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo au chef de l'État gabonais afin de renforcer la coopération dans ce domaine. Vous savez que les deux pays, ils sont fait l'objet d'attaques de la piraterie maritime. Et c'est pour ça que, en tenant compte que la mer constitue la richesse très importante pour nous, les deux pays, c'est pourquoi on doit travailler ensemble pour renforcer la coopération au niveau de sécurité maritime et pour empêcher désormais la pêche illégale ainsi que empêcher toutes les menaces concernant à la piraterie maritime. Pour rappel, lors du sommet de Yaoundé en 2013, les États riverains du Golfe de Guinée s'étaient engagés à renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre l'insécurité relative à la navigation maritime, au transport maritime, à la pêche maritime, aux explorations et aux exploitations des ressources marines. C'est donc dans cette démarche que s'inscrit la venue ce jour au Gabon de Siméon Oyono-Anguet.